Pour ma main, chez ma chère, j'aimerais lui demander chaque année de faire une Issouchal, un tour de Torah, parler du mien de Torah. Et d'abord, chez nous, ça y est, le Bouddha, là, parmi nous, Baruch Hashem, le premier voyage du groupe Chevrolet qu'on voyageait ensemble, en tant que groupe Chevrolet. Le Rabbi leur a demandé plus tard, qu'ils doivent raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont ressenti, qu'ils racontent et qu'ils leur a demandé de mettre à l'écrit. Alors voilà, beaucoup d'entre nous, on n'a pas eu les heures d'avoir ces moments précieux. Et c'est que déjà la première fois que je vais vous des moments yakar ou quoi yakar. Et donc, on va leur demander de participer, de nous raconter, de nous faire ressentir peut-être un même, de même, de ce qu'eux, ils ont été offrés à ce moment-là. Alors, on n'a pas réussi à voir, malheureusement, une petite soif à été, à cause de difficultés qu'on a actuellement, on n'a pas réussi à voir tout le monde présent. Bon, on a quelques représentants avec nous. On va leur demander à chacun, on va poser des questions. Au fur et à mesure, nous raconterons un petit peu comment ça s'est passé ce premier voyage. On va faire un tour de table. Alors d'abord, la première question que je veux demander, comment s'est organisé ce voyage? Comment ça s'est fait ce groupe de 10 personnes? Comment ça a commencé? Après un niveau. C'était la suite d'un été qu'on a passé demain. Et au milieu des étudiants, on a commencé à parler de ce voyage. Il y avait une difficulté pour nous, c'est qu'à l'époque, il y avait une limitation pour les chétons qui partaient chez le rabbi seulement une année sur deux. Et donc cette année-là, on était suffisamment nombreux pour pouvoir constituer un groupe et partir chez le rabbi, c'est précisément une année où Moulay lui-même ne voyageait pas. Donc c'est une difficulté spécifique d'aller chez le Rebbe en sachant que là-bas, on n'aurait pas... Moulay ne serait pas là-bas pour nous diriger alors qu'on part la première fois. Donc voilà, on a eu ses enseignements, la manière dont il fallait s'y prendre, on nous a dit beaucoup de choses. Quand on est revenu à Paris avant de partir, moi je me rappelle que j'ai passé une soirée chez lui et je me demandais comment on fait. S'il faut chercher comment on écrit notre rebé quand on rentre en redoute. Je me rappelle en particulier un mot qu'il avait dit à l'époque, qui est sans doute un enseignement très profond, très important. Il avait dit à l'époque qu'il faut être au niveau de recevoir une réponse du rebé. Ça veut dire que le rêve n'est pas faire de peine à quelqu'un. Et donc, on peut imaginer que le rêve donne une réponse qui n'est pas celle qu'il aurait donnée, qu'il aurait dû donner, parce que celui à qui il la donne n'est pas capable d'intégrer la réponse qu'il va lui donner. Donc, je me rappelle que pendant cette soirée, on avait beaucoup insisté sur cette idée-là. Il faut poser une question au rêve, et en même temps, il faut arriver à travailler sur soi-même pour être au niveau d'intégrer la réponse que le rébé va donner. Faire en sorte que quand le rébé donne une réponse, ce soit réellement la réponse qu'on a besoin à la question qu'on a posée. C'était la préparation spirituelle du voyage qui est l'essentiel du point de vue matériel. C'était une année où le Beth David de Londres avait affrété un avion, un charter, et donc ils étaient
ils étaient très peu nombreux. Et donc, ils ont demandé à Moulay qu'on les rejoigne dans cet avion de façon à ce qu'ils puissent le remplir. Donc c'est comme ça qu'on est parti. On est parti en train. On est parti à la gare du Nord avec le Hovercraft. Arrivé à Londres la veille, on est passé la nuit à Londres, on était réparti dans des familles à Londres, et le lendemain matin, on est parti pour New York. Et donc Moulay nous a accompagnés, la gare du Nord, et quand on était sur le quai, avant de monter dans le train, alors Moulay a sorti de sa poche une petite bouteille de Machqué et il a distribué les chaïms à tout le monde. De nos jours, ça paraît banal, mais à l'époque, des manifestations comme ça dans la rue, ça se faisait pas du tout. Et voilà, on s'est mis à penser sur le quai de la Gare du Nord. Et c'est vraiment, à l'époque, c'était quelque chose de particulier. C'est à ce moment-là que le voyage du rêve a réellement commencé. Là qu'on a réellement senti quelque chose. Et pour compléter, l'année suivante, c'était l'année de laquelle, il y avait un tracé de Yerushalayim qui était chez le rêve de Rav Zilberstrom. Donc, il est arrivé de Yerushalayim, il est passé directement à Yerushalayim, et quand il était en Yerushalayim, le rabbi m'a dit, sûrement, tu n'as pas complètement oublié le français, c'est le rabbi de Paris. Et donc, quand le rabbi est venu ici en 1947 pour chercher sa mère, pour accompagner sa mère à New York, c'est lui qui a accompagné le rabbi partout. Et donc, il a dit, le rabbi lui a dit en doute, il a dit que ça n'est pas complètement oublié le français, et si quelqu'un va revenir de France, essaye de les réunir et de faire un fabrien avec eux. Et donc, il a fait un fabrien avec nous, et en fait, les premiers mots du fabrien, c'était « Hier soir, j'étais en doute, et la fois précédente, que j'ai vu le rêve, c'était à la gare du Nord. » Donc voilà, nous aussi on est partis à la gare du Nord, et puis c'était on s'est vu partir dans le train, comme le rêve lui-même parti dans le train à l'époque. Voilà, c'est le début du voyage, comme ça que ça a commencé. Merci beaucoup, Rabbi Yosef Magui. Moi, je connais Rabbi en tant que ami. D'accord, je suis en bas. Rabbi m'a dit de faire un yeshiva, à Fahabat. Donc, trois, il est bon et moi, il est hospitalier et moi. Quelle est la raison pourquoi Rabbi nous avait entendu? Parce que, d'après moi, tout est dans le dit. Il n'y a pas de structure en hébreu et en français. Et donc, l'année d'après, déjà, une nouvelle génération, les générations suivantes, une installation en hébreu. Donc, le rabbi, je suis. Alors, avant de raconter ça, je vais raconter comment je suis venu aussi à Chine à l'Alpha. Donc, je suis parti à. Un peu plus loin. Alors, je suis parti à Parabat. Et toute l'année, bon, j'étais là-bas. Et Miami, mon frère, il a eu des merveilleuses de me dire, parce que tu sais, il y a une colonie de vacances. À Brunois, et toi tu vas être malgré de coller de la France, des enfants, et tu vas mettre l'argent avec ça, on va payer des devoirs chez Rabbi Yosef Magui pour compléter par exemple des bons humains. Moi j'ai demandé à mon prochain Shiva, bien qu'il fasse. Tout de suite il a répondu, d'accord. Bien que je sacrifie un mois de mes études. Il a accepté. Je regardais les vacances, bien quelques semaines. Et je suis parti, donc je suis passé à Brunois, j'ai fait la photo de nuit, et après j'ai continué
avec mes chers, avec mes conduits. On n'entend pas bien. Alors, un peu moins. Je vais raconter ma première vidéo, si vous voulez. Hein. Alors, d'abord, moi, j'ai eu cette chance. Hein. J'étais vraiment des premiers qui voulaient à connaître. Moi, j'ai connu exactement après la révolution de l'Église. D'abord, j'ai eu une fois, quand il s'est marié, dès qu'il est venu, il est venu, comme on le sait, juste après Pessah, j'ai connu, et juste après Pessah, j'ai vu une fois avec lui, et après, il y avait la révolution de mai 60. Et après mai 68, sur le mur, il m'a dit, non, tu as envie de jeter. Et donc, la première des choses que mon père nous a dit, d'abord, il nous a toujours dit, il a toujours fait en sorte qu'on aille chez le rabbin. Une fois même, j'étais à un rabbin, j'étais en rabbin, donc beaucoup de gens m'ont demandé comment, quel est le sort, quel est le secret de la réussite de notre rabbin. Moi, je leur ai dit, nous deux amis, une chose, les chemins. Effectivement, dans ma chambre, déjà, j'ai été 16 inscrits chemins. 16. Vous pouvez connaître mon début, justement, mes collègues. Et donc, on nous a encouragé. Très bien que lorsqu'on a un parcours avec un rabbin, on leur a obligé de leur rester. Et je me rappelle ma première vidéo, le rabbin m'a dit d'aller chez le rabbin. Il m'a dit une chose ordinaire, un mec comme ça. Vous direz au rabbin, nommez à ses mots. Il m'a pas dit pas chez vous et à ses mots. Il m'a dit, vous direz au rabbin, nommez à ses mots. De parler avec le responsable de parler. Je suis débattu de moi. Et j'ai vraiment très touché une chose, c'est que j'ai vraiment confiance. Mais là, le rabbin m'a dit, vous m'écrirez, de vous m'écrirez. N'ayez pas peur. Je ne peux pas vous dire, mais enfin, les gens, ça me fait mes vies, ça ne me semble pas avoir un mot. Et vous me direz exactement ce que vous étudiez. Et dites-moi que je suis très heureux de savoir comment c'est la parole. Effectivement, je dirais tout le temps qu'on se parle de ce rabbin. Et le rabbin m'a demandé, pratiquement, c'est un jour où chez moi, je me suis dit, vous avez montré un paquet de lettres, moi, un petit peu de travail. Et même ça, le rabbin a demandé la transmission de la parole pour faire penser à mon tour. Et donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, quand j'ai demandé à Roche Chimé après, si Chimé après, je pouvais aller chez Marie, en travaillant un peu moins avec Marie, je n'ai plus fini de l'accès. Le transfrancé, c'est le dernier mois, hein, et c'est peut-être. Comment le groupe s'est préparé, comment ça s'est créé ce groupe de du français qui partait sur la vie? Alors d'abord, le groupe est dans les anglais. Le compagnon que vous avez connu, c'était sa maison. Beaucoup de temps après-midi, le matin, on s'est mis sur ce qu'on s'est dans la terre, on s'est fait un client. Et pour ceux qui venaient, ils mangeaient un petit peu et ils étaient avec nous. Jusqu'à 5-6 heures. Et des fois, il me dit, revenez, et on revenait souvent, on pouvait le soir. On n'avait pas de place, bien, on sortait plutôt de l'école. Et moi, c'est pourquoi j'ai dessiné le bouquin. Pourquoi j'ai dessiné le bouquin? Parce que j'avais fait un bouquin. Et il y avait l'annonce qui était juste à côté de Réunion, et
et on va pouvoir rejeter une réponse comme un témoin. Et la preuve à la branche de notre travail. Et je vais justement rabrancher cette journée maintenant, et même l'année, il m'a tout annulé, ça a fait m'aider à tout la suite. Oui. Vous avez quel âge à ce moment-là? Je suis né en 2009. Je me rappelle la première année, on était une dizaine. Donc ça, c'est l'attache de ma vie. Je ne savais pas qu'un jour, avec ce monsieur Nicolas, il m'appelle et il me dit. C'est qu'on va faire le cabaret de Pagny, on va faire un petit bonjour. Le cabaret de Pagny, il y a aussi une dizaine de Français, et on va faire un petit cabaret de Pagny, sur le journal de la Réunion, avec une lumière à chemin. Et je me rappelle très bien que le fils de. J'ai baissé. Alors, le fils de Ramsey Kaufman, il a été spécialement amené à chercher un polaroid. Et bien sûr, maintenant, ça s'est passé depuis longtemps. Et il a fait une photo, on a passé des photos, c'est un peu la mission qu'on aura bien entendu pour le faire. On aura bien pensé. Je voudrais juste raconter une histoire. Comme Denis n'a parlé pas avec moi en ce qui est en Israël, mais je vais raconter une histoire extraordinaire. Vous savez, quand Hachim Amel, le rabbi, il lui a dit. Il lui a dit de préparer la Et lui, quand il arrive en Israël, il a demandé Rabbi Yaakov Yosef, Raskin. Le père de David Raskin, il a demandé Rabbi Yaakov Raskin. Et bien sûr, il a refusé. Il a dit, je n'ai pas le temps, excuse-moi, je ne sais pas quand. Bon, le problème est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie suivante, c'est en Tachina Métalès. Il est venu chez. Il n'a pas parlé de ça au rabbi, il n'a rien dit au rabbi. Le rabbi lui demande, vous avez fait quelque chose pour l'entendre. Une fois que le rabbi l'a dit, il a dit, vous avez fait quelque chose pour l'amener, comme il était surpris de la question du rabbi, il a dit, vous savez, j'ai demandé à rabbi à Kobe Yosef Raskin, il n'a pas voulu m'apprendre. Le rabbi lui a dit, mais regardez comment le rabbi protégeait les Français, comment il aimait les Français, il a dit, dites de ma part, rabbi à Kobe Yosef. Que lorsqu'il vous apprendra la Mila, il aura plus d'Irat Shamayim. Effectivement, dès qu'il a dit ça, tout de suite, il a pris d'une manière la meilleure et vraiment avec toute la caravane qu'il fallait pour qu'il vienne nous. De cette histoire, on voit comment le Rabbi était content. C'est l'une des autres années, on voit très bien que quand on venait Tichri, le Rabbi, on venait peut-être après Rosh Hashanah ou après. Moi, souvent, je venais vers le Tichri. Je m'arrangeais pour le Tichri chez le Rabbi. Et bien, comme Rabbi le voyait français rentrer, tout de suite, il me regardait, il souriait un petit peu, il continuait son chemin. J'étais content de voir un tropical, comme on dit, un sourire léger, mais c'est comme s'il nous disait Shalom Aleichem. Je suis content de vous voir. D'accord. On va aller à la pizza là-bas, si vous pouvez nous raconter, vous aussi, comment ça s'est préparé ce voyage. La préparation. Après, on va arriver au reste. Ça part sur la tombe d'Ignamine. La tombe d'Ignamine, comme si Moulin nous a accompagné à la. Tu l'as raconté ? Comment nous a accompagné à la gare ? Et comment. Comment il nous a accompagné à la gare ? Et comment on tombe dans la lettre du rabbi précédent ? Il y a une personne que lorsqu'il est venu voyager à chaque village, il y avait un fabrien, il y avait un c'était la fête, etc. Le coulou, après, donc on voit il se agrandissait. Moi, cette nuit, à l'ombre, je ne sais pas, avec un âge, c'est la famille. Mais bon, le soir, à l'ombre, il y avait un fabrien, parce que les Français, enfin, on est venu de France, et le matin, on partait avec un chat. Comment on s'est préparé après dans le final, on l'a dit, quand on va chez le rêve, il faut venir avec un chef. Et si pas un chef, moi, un marine ou deux marines, comment on se préparait, je ne me rappelle pas. On a fait la colo à Brunois et
Si c'est que ça qu'il faut raconter, mais j'ai juste dit que ça. Je me rappelle très bien quand on avait rentré dans le pays, vous avez fait la préparation que vous avez dit. Vous parlez de la préparation que vous avez dit, ça a été un rabbi pour parler. C'est pas un ami. Vous avez dit que vous faites très attention au moment de l'étudiant. Ce n'est pas un job, c'est un moment très, très, très simple. Bien. J'ai déjà raconté, pas mal de parcourir des périodes, parce qu'on a fait un petit parallèle il y a pas longtemps. Au niveau de la préparation, Armand et son épouse étaient, au moment où on est parti, elle était à Londres. Donc, il est venu passer Shabbat avec nous à l'Echeva, on a fait à l'Echeva. Et Armand nous a dit, voilà, la grandeur de Armand, c'était qu'il voulait qu'on soit des racines. Jamais il ne nous a considérés comme des balais de chouva, jamais il ne nous a considérés comme des gens à qui on solde le judaïsme chassidique. Et donc, c'est vrai qu'il a été exigeant, il nous a montré comment on doit considérer le rébé. Et alors, dans ce parallèle, il a dit un rébé, c'est comme un chapelier. Alors, je ne suis pas sûr qu'il a dit le mot chapelier, parce que nous, on ne parlait pas tellement bien le français, mais il a dit un vendeur de chapeaux. Il a dit, quand on va chez un chapelier, alors on prend le chapeau qui correspond à sa tête. Quelqu'un qui a une petite tête, il prend un petit chapeau. Quelqu'un qui a une grande tête, il prend un grand chapeau. Il a dit de la même manière, quand on va chez le rébé, il va nous donner le chapeau qui nous convient. Mais c'est à nous de faire le kéli pour que le rabbi nous donne le maximum. Ça, c'était la nikouda du pharaon qu'il avait fait juste avant qu'on parte. Et puisqu'il y avait un petit mot là qui vient d'être dit de Yosef, je me souviens que Rav Moulay, il a fait un fabriquant une fois chez le Rebbe, dans la soukha du 749, c'est-à-dire en face du 770, parce que lorsque le Rabbi a donné de l'Ephraïm en Tachin Lamed Dalet, parce qu'il y a eu la Chayèze, il y a des gens qui ont souri au Rabbi. Rav Moulay, il a dit, comment on peut sourire devant le rêve? Comment on peut... Il a dit, c'est marqué Altistakel Bifnei Racha. Normalement, le rêve, il ne devrait même pas nous regarder, parce que c'est un dîme, Altistakel Bifnei Racha. Et le rêve, il fait mes sirut nefesh, et il vient, il nous regarde, et nous, on vient, on sourit au rêve. C'était toute une partie du pharaon qui faisait ça. C'est-à-dire que Moulay voulait qu'on ait la crainte, qu'on ait un sentiment de bitou, un sentiment de yira devant le rabbi, exactement comme si on était des racines de tout le temps. On va passer maintenant à la deuxième partie. Donc, apparemment, vous êtes parti, si j'ai bien compris, juste avant ce choc, c'est ça? Tout est chaud. Alors, comment c'était, ça s'est passé la première fois que vous avez vu le rabbi? C'était quoi, si on peut vous demander, le Hergé, comment vous avez ressenti l'Imenu à ce moment-là, après l'Imenu? D'abord, c'est vrai qu'on a été bien préparé. C'est vrai qu'on a eu le mérite de bénéficier des enseignements de Moulay pendant tout l'été, donc la préparation de l'Imenu. Bon, après, c'est sûr que... Voilà, des séries photographiques, quand on voit le rêver physiquement, c'est quelque chose de complètement différent. Je disais à l'époque que quand on voit le rêver pour la première fois, on ne fait chier rien nous. Le moment où on le voit, et ensuite les fois suivantes, on fait chier rien nous au moment où on rentre en écriboute. Tout ça, c'était un chier rien nous qui était profondément. Qui était profondément ressenti. Et vu quand le rébé rentre à la choule, le rébé il avait un pas très, très rapide. On a senti comment chaque mouvement il est calculé. C'était une émotion très, très profonde. Et c'est sûr qu'on conserve les images de cette époque-là. C'est sûr que
ce qu'on a vu, le révérend dans la foule, la manière dont le révé met son gâteau, on voit comment le révé a fait un écran, mais que le gâteau en marchant, je trouve qu'il arrive à sa place, et on avait la possibilité de prier, d'être juste à côté du révé. C'est des moments qui marquent une vie. La première fois que j'ai vu le rabbi, c'était quand il est arrivé, quand Tachinamed, je parle, on est arrivé au moment des Sikhot. On est arrivé dans la nuit, on est arrivé, l'avion avait atterri vers 2h du matin. Le temps qu'on arrive, c'est un petit peu de 5h. Finalement, on n'est pas dormi parce qu'à 7h, il y avait déjà des Sikhot, c'était 7h30. Donc on a pris un café et on est parti. Quand on est rentré vraiment, j'ai eu le sentiment vraiment que ça se prend l'heure parce que Dieu, le secrétaire était mon ami. Et vraiment, c'était un homme, c'est exactement ce qui est marqué dans les Sikhot, que ce que la rabbin a dit, que ce jeune rabbin, il avait Melech en même temps d'un ava. C'est vraiment des marques de vraiment, il avait une ava exceptionnelle. Et là, je vais commencer la barre sur le monde. Je pense que les personnes ne vont pas se dire que je parlerai de chaque chose que vous dites, chacun, il fallait qu'il manque son visage. C'est-à-dire, on peut dire, mais son visage de droit. Mais en tout cas, hein, quand nous, on est allé la première année, on est allé prendre la vie, l'arrivée, sortie de la voiture, on taquait le contraire. Personne ne montrait son visage. Je pense qu'il taquait sous un arbre, ou sous une. Sur le truc, vous savez, c'est un peu sur le muret. Mais quand il est arrivé, il va regarder. C'est pas tel que je m'en rafle, il ne va pas regarder. Ça, c'était le sentiment. Après, une certaine année, c'est la même chose, hein, je ne sais pas, à finir l'année d'alerte, quand je suis rentré dans la choule, il n'y avait pas un bruit. Pas un bruit, ça passe dans le chenal, même si c'est pas tort. Et la Benzion, quand je suis dans la il était sur les dragons et il chantait Béami, Admourou, et. Rêve-toi. Oui, on vient. Et donc, on vit là, jusqu'à qu'il a recommencé, après, quand il a vu, on a compris que. Mais ça veut dire que c'était. Enfin, pour reprendre cette idée, c'est à dire que Fnir Rachar voulait être catégorique sur ça, qu'on n'a pas montré son visage, bien sûr. Quand on vit dans la petite choule, le rabbi va montrer qu'on ne pouvait pas se cacher derrière un banc. Tout le monde était là, et on était là. Mais bon, l'union, c'est pour sentir un peu. Si on peut sentir, qu'est-ce que c'est la rabbi? Non, ça me revient un peu. Je me souviens de rien. Je me souviens de la réroute. Et je me souviens que les gens de Paris étaient avec le recul. Ils étaient parfaits. Ils avaient une attitude toujours très digne, très discrète. Là, on a hérité ça de mener. On était. C'était très bien comporté, on était toujours. Je me souviens qu'on avait ce sentiment d'appartenir à un groupe spécial. On sentait que leur ami nous regardait d'une façon particulière. Là, c'était hérité. Alors, là, il fait donc du temps de dire qu'on n'avait pas du tout envie de rire. Et pas pourquoi les gens de Paris ont très, très de la crainte. Et on tremblait. On n'avait pas envie. Le rabbin m'a posé une question. Il m'a posé une question. Il m'a demandé est-ce que vous parlez de l'église, de l'anglais, de l'hébreu. Malheureusement, j'ai répondu.
Il y avait tellement peur que leur avis me prend tellement que je peux pas comprendre. Français. Et tout de suite, quand on est sorti, on courut sur, un papier, un vélo pour essayer de garder ces mains-là parce qu'on savait, Maurice nous avait dit, si moi je ravais, donc quand on partait à New York, on savait qu'on allait voir moi je ravais nous, donc on se demandait quoi ressemble moi je ravais nous, et on a vu, ça avait été un truc en nous. Il a pas dit, mais il était zoché de Doral cette année-là. Très bien. J'étais le zoché de Doral. Et on est arrivé chez Doral, c'était à la télé, donc je dis après le jour. Il nous a annoncé que Doral est pour elle. On a eu donc le temps de s'installer dans les deux salles. Ainsi qu'on est vite revenu. Est-ce que c'est possible de rappeler, est-ce qu'il y avait un yachas spécial pour la ville, à la Poussa, là-bas même, je l'aurais dit. Est-ce que vous avez ressenti un yachas spécial pour les Français, pour le groupe qui est parti sur la ville? Très bien. Il y a une d'abord, on a appris par la suite que quand on est arrivé, donc une ligne de laisser une lettre à la Monsieur Route en prévenant qu'on est arrivé, en donnant le nom de ceux qui sont arrivés. Donc on a appris par la suite que si on donne un verre de thé au milieu de la journée, c'est un endroit où ils peuvent recevoir un verre de thé. Ça, c'était vraiment l'accueil du rabbi. On a vu tout de suite comment le rabbi a senti que ce qui venait de
rencontre, c'était vraiment le résultat de tout le travail que lui a investi pendant longtemps que tu étais en France. Je vois que dès la première année, les autres années, chaque année, il y avait des abandonnés pour le groupe de français. C'est tous les groupes qui venaient là-bas avec des abandonnés. Absolument évident que le réserve de la grâce particulière avec le groupe. On a senti chaque fois que nous pouvions. Tout ça, pour faire bien ce matin, parce que tu vas nous parler à la fin. Et le parcours, à ce moment-là, il s'est occupé des Français, donc il préfère parler à la fin. Rabbi Yosef, si vous pouvez nous raconter le Yachas sur les Français. D'abord, je voudrais juste, j'ai marqué deux, pendant que les autres parlaient, je me suis rappelé que le temps où on nous a préparé, il nous a dit sachez que le Yachas meilleur pour les Trambéliers, et un parcel de l'Église, etc. La peur d'un parcel, c'est en train de. Vous savez, les pierres de Paris, les pierres de c'est les mêmes, mais elles sont placées différemment. Je voudrais aussi préciser un petit mot, c'est que je voudrais un hommage à tous les personnes de moi, là, ça peut être ma vision, comment ils ont entouré dans le mois de juillet ou dans le avant, avant la chaîne Rabbi, c'est une préparation qui était vraiment, c'est une vraie, ils ont beaucoup approprié. Alors, je voudrais, je me rappelle d'une chose, d'abord, la première fois qu'on a eu le Rabbi, et à l'époque, moi, je me rentrais dans ce truc, tous les jours, dans les fins, dans les rues, on est fini de priver. Dans les rues, c'était vraiment, c'était devant la table du rabbin. Je voyais que dans le rabbin, on me regardait comme ça. Le rabbin ne bougeait pas. Il me regardait comme ça. Il m'a dit, c'est quelque chose. C'est pas mal, c'est un peu. On l'a mis d'une heure, mais
nous sommes tous en santé, c'est la belle Sion. Alors, c'est un arabe, il a pris l'état pour les filles. Et quand il a pris, la belle Sion, il a raconté. Il a raconté à vous, il a raconté après, il a vu comment le rêve il a mis. D'abord, une serviette, après un morceau, après une deuxième serviette, après la mise propre des morceaux, etc. etc. Et il a raconté aussi comment le rêve, il a senti qu'il y a, tout à fait une différence. Il a le prix de fond aussi, de l'écart pour des gens. Mais la façon dont il a fait, c'est le plus français. Mais la France, c'était évident. Même si elle l'a fait, c'est pas ça. C'est le premier voyage. C'est le premier voyage. Quand j'entends, j'ai l'impression de découvrir mon voyage. Enfin, je n'ai pas de mémoire. Donc je... Il y a une fois, on a pu voir sur la piste. C'était une tournée dans le bureau de la Fondation Saint-Paul. C'était donc la première partie. Et le matin, il y a tous les deux venus nous réveiller et nous embrasser comme ses enfants. Et ce sourire qu'il avait, il nous faisait comprendre qu'on était, fait aux yeux de Rabbi. On n'était pas simplement on a quelque chose de. On avait une responsabilité. On avait une responsabilité. Dieu nous aide à assumer. Comment ça s'est passé le scène d'Aïe Hidou? Comment on est rentré chez Rabbi? Et donc,
fait une situation dans laquelle on se trouve face au rêve. Et donc, le rêve a pris ma lettre, le rêve a lu ma lettre, il a un crayon à la main, il a commencé à signer, des choses dans la lettre. Et seule chose qui frappe, c'est que le rêve a signé très très vite. Et c'était vraiment avec une rapidité inimaginable, le trois pages. Et en quelques secondes, le rêve avait signé et les gens de la page passaient à 20 minutes. Donc il y avait une chaise qui était devant le rabais, sans doute les gens appuyaient le rabais pour le monde de ce soir. Donc pour nous, on est rentré dans le frigo, donc on se mettait beaucoup derrière cette chaise. Donc, le rabais était assis à son bureau, assis à son, sur son fauteuil, et nous, on rentrait dans le bureau de rabais, on posait la lettre sur le bureau de rabais, et puis ensuite on restait. Et on se mettait derrière cette chaise et puis au début le silence absolu pendant que le rabbin lisait la lettre. Ensuite, la plupart du temps, le rabbin répondait, le rabbin parlait avec la tête tournée vers le bureau, tête baissée. Ensuite, quand le rabbin levait la tête, c'était le signe qu'on devait sortir. Il s'arrivait des fois que le rabbin levait la tête, il disait quelque chose. Une fois, le rabbin m'a posé une question, il y a plus d'autres. Et j'ai répondu, il faut pas me dire de réaliste. Qu'est-ce que le rabbé me dira de faire? À ce moment-là, le rabbé a levé la tête avec un grand sourire. Le rabbé m'a dit « Kozma notnish gereissim mekstokonabé ». Donc, je n'ai pas dit ce qu'il faut faire. Je te demande qu'est-ce que c'est ton avis. Donne ton avis. Alors, le rabbé a levé la tête et là, il a un grand sourire. De façon générale, toutes les fois que mon enfant est tout doute, le rabbé avait la tête vers son bureau. Ensuite, à la fin, quand il levait la tête, donc on sortait du bureau du rabbin en coulant. Bon, je suis rentré pour le camarade parce que comme j'arrive à l'anniversaire, on m'a dit qu'il fallait rentrer avant l'anniversaire, donc je suis rentré Zaïn Tichit. J'étais le premier à rentrer de mes camarades. Et je n'avais pas de numéro pour cette équipe là parce qu'il n'y avait pas grand monde et je suis rentré à 1h du matin. Et je crois que j'étais un des derniers. Donc quand je suis rentré, je pèse mes mots, je tremblais comme une feuille. C'est-à-dire que j'avais les yeux fermés. J'ai posé mon bureau, j'avais les yeux fermés et j'attendais que le rabbin me parle. Et je devais me rendre.
et le rabbi me demande, j'avais demandé au rabbi d'aller à l'Yeshiva, quand mon frère avait eu l'autorisation l'année précédente d'aller à Kaparan. J'avais demandé au rabbi d'aller à l'Yeshiva. Le rabbi m'a demandé, dans un français un peu calme, il m'a dit combien d'années vous restez-il pour avoir votre baccalauréat. Alors j'ai répondu au rabbi, cette année et l'année prochaine. Le rabbi m'a dit, cela ne vaut donc pas la peine d'interrompre vos études, vous terminerez votre baccalauréat et ensuite vous envisagerez d'étudier exclusivement Torah Gemara, Kodesh Kibbout. Donc le rabbi nous a donné dans cette vidéo la direction de notre existence tout entière. Et puis, après, le rabbi m'a dit, vous avez votre anniversaire de Yom Kippour. Vous savez qu'on a l'habitude de donner des aliyot aux gens âgés, aujourd'hui Yom Kippour. On vous demanderait au Gabbai de vous donner la Gvila. Le rabbi me regarde, me demande, est-ce que vous savez ce que c'est que la Gvila? Alors, je n'ai pas répondu en parlant, j'ai hoché la tête. Et le rabbi m'a cependant expliqué avec la main, il a fait ce geste-là avec sa main, il a dit, c'est quand on en parle, on ne sait pas quoi. Et ensuite, le rabbi m'a dit, si vous ne pouvez pas l'obtenir dans la grande chose, vous pourrez aussi demander peut-être de l'obtenir dans la petite chose en haut. Et ensuite, le rabbi a donné des rapports, et je suis sorti, je suis resté 10 minutes dans les cheveux. Voilà quel était le. Juste pour terminer, parce que je voulais vous demander quelle était la finalité de ce Rabbi Madou, lorsque j'ai terminé le match, je suis parti voir, je lui ai dit, ça y est, le Rabbi Madou maintenant, vous avez les Shiva, il a dit que vous envisagez des. Exclusivement pour un marathon de chute. Alors, mais la violence est comme ça. Il faut redemander. Et lorsqu'il a demandé est-ce que Claude Ventouille doit aller à la Yeshiva, à l'université, le rabbi a fait une flèche sur l'université. Et à ce moment-là, je me trouvais que c'était pas ce qu'on avait pensé, mais c'est que le rabbi. Comme le Kibbout disait tout à l'heure qu'on a voyagé avec un charter de Londres. Mais comme l'avion n'était pas très bien, donc il y avait un groupe de Sartumeurs. C'était dans l'avion. Donc on est arrivé à 1h. On est parti à Tronight, ils sont partis au concours. Et puis ensuite, le soir, on est rentré en Kibbout. Il y a deux Sartumeurs qui étaient dans le même groupe que nous. Ils sont rentrés et ils sont venus, ils sont rentrés plus vite également. Et ils étaient surpris, on ne pensait pas que c'est pas que ils étaient venus pour ça. Et il y a un d'entre eux, les deux frères, le plus âgé, qui m'a dit mes parents. Après leur mariage, ils n'ont pas pu tout de suite avoir des enfants. Et donc, ils ont demandé une bracha pour l'ADN. Donc, même si je suis apprécié de sa part, je suis venu passer plus riche chez mon ADN, mais quand même, je suis né avec une bracha de l'ADN. Donc, je suis venu devant le ADN et je remercie pour sa bracha. Et donc, ils sont rentrés les Kibbout. Et après, les Kibbout, je vous ai demandé encore comment ça s'est passé. Et le racine est dit, c'est inimaginable. Il a montré au rabbi la lettre par laquelle il a donné une bracha à mes parents. Et le rabbi a dit, dans la même enveloppe, il y a une deuxième lettre dans laquelle votre père a demandé une bracha pour la santé de votre oncle. Comment va votre oncle maintenant? Donc, il était. Imaginez, il reçoit des millions de lettres chaque jour et il s'est rappelé que dans la même enveloppe, il y avait une bracha de bracha pour moi. Mais comment il a dit, il ne nous a pas dit que
que tu as apporté la lettre avec toi. C'est vraiment la lettre. Et donc, il montre la lettre. C'est une lettre de Rabbi Fisselman. Lui, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'il aurait dû avec lui. C'est une lettre de Rabbi Fisselman. Quand ses parents ont demandé la bracha, ils ont demandé la bracha de Rabbi Fisselman. Le Rabbi a vu qu'ils pensaient que c'était lui. Il n'a pas été trompé. Et quand même, le Rebbe l'a dit dans la même lettre, dans le même enveloppe, qui était une deuxième lettre, qui demandait une bracha pour la fin. Bien. Si c'est possible de rapprocher le micro pour bien entendre, tu as le choix. Tu vas dire que tu vas aller. Alors, la première réplique, d'abord, je suis en train de rentrer dedans juste avant de rentrer. Et je vais chercher un appel qui est vraiment perdu. Je vais ramener une petite phrase. Ni pendant que ça a duré, ni je crois que ça a duré 3-4 minutes, que j'ai un peu plus de travail.
tous les amis que je suis venu à la partie du gars. Bien sûr, on est tout en soirée, mais on est tout en soirée jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est bientôt bon. En bas en général, ou en haut, le principal, c'est qu'on entend plus la fin jusqu'au début de la pardon avant qu'on nous dise qu'il faut monter, se mettre dans la peau. Dans l'histoire d'une personne. Comme Yosef, il avait voyagé un an avant, il avait donné les instructions. Donc, plus on avait de Quand vous êtes revenu de Chevalier, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a eu un échec à ce voyage que vous pouvez nous raconter. Après, on a su par la suite que le rabbi voulait nous réunir tous, entrer une deuxième fois avec le doute, et que
et que le Rebbe voulait faire une chidouche à tous les temps avant de faire le départ. Et finalement, le Rebbe l'a pas fait parce que certains sont partis plus tôt. Donc le Rebbe n'a pas voulu que c'était une jalousie. C'est dans le bal. C'était juste choisir entre 18 dollars ou 100 francs, parce que 100 francs c'était le dixième de 1000 francs qu'on avait payé, le billet de 1000 francs. Donc il y avait ou 100 francs ou 18 dollars ou 20 dollars. Non. Alors, il y avait quand même, il voulait participer à ça. C'est pas vrai qu'on transmis. Et alors, nous on a été amené, mais on ne sait pas quoi choisir, choisis-toi. Alors, on est entre 100 francs, 18 dollars ou 20 dollars. Et nous on a été amené, mais choisis-toi, on ne sait pas quoi choisir. Alors, mon il a dit, c'est quoi la somme la plus importante? On lui disait toujours, quand un rêve il donne, il faut prendre. Alors, il a demandé quelle est la somme la plus importante, et c'est pour lui que c'était 20 dollars. Donc, on a reçu un peu de 20 dollars. Et l'année suivante, on a reçu le panier. Non, 20 dollars, c'est le panier, c'est quand on a fait. C'est par rapport à la dette, on a reçu un billet. 20 dollars. Enfin, à tous les cas, on avait choisi la somme la plus importante. Donc, ça nous a dit, on avait un jour. Oui. Il m'a donné 180 francs. Vous avez reçu 180 francs. Alors, on m'a volé mon portrait. Mais BHK Rapprachit, il y a quelques mois, et malheureusement, il m'a dit j'ai trouvé des billets de francs que leur ami, ils ont trouvé à New York dans son tiroir que des gens lui ont donné. Donc, c'est des choses de rabbi. Est-ce que tu. Ça t'intéresse? Je retrouvais mes dollars. Mes francs. J'ai des francs de rabbi. On devait partir avant ce rabbi. On devait partir. La clé était. Le Shabbat Brigitte était assez long. Et on devait rentrer chacun dans l'école, etc. Et donc, on devait partir le mercredi ou le jeudi. Et quand on a fait rentrer chez l'Arabie dit, et Shabbat Brigitte, donc moi, il a dit, si l'Arabie s'étonne, c'est Shabbat Brigitte, donc il faut rester Shabbat Brigitte. Donc chacun a fait, chacun de son côté pour essayer de rester. Mais la seule manière qu'on avait, c'était de rentrer dans la nuit de l'hôtel. On a pris quoi sur le papa, et voilà. On est en train de dormir en Martinique. On a pris les valises, et on s'est enfui. On était, je ne sais pas, 6, 8, on est parti à ce moment-là. Quand il a dit Chaim, dimanche dans la journée, mais il a fait savoir à mon lait, est-ce que tout le monde est là? Si tout le monde est là, je donne une deuxième écrit. Et on a eu quand même donc les 20 dollars et le Tania, mais on a eu de la main de Rabbi, mais on a eu tous les gens qui avaient, enfin, pour tous les fruits. Maintenant, la médaille, Moulet nous avait rassemblé, la lettre elle a été produite de Rabbi, et le Rabbi l'a dit, une fois qu'ils seront détruits, vous avez plus pour voir, alors je vais leur savoir que je vais participer pour une certaine somme. Dernièrement, je voulais dire, en Tachinamed, ma mère voulait que je rentre avant Shabbat Bereshit. J'étais dans la ligne de Rabbi, j'ai dit au Rabbi que ma mère voulait que je quitte avant Shabbat Bereshit. Je demandais la bracha. Le Rabbi m'a dit, il n'est pas logique de quitter avant Shabbat Bereshit. Vous trouverez les mots pour convaincre votre maman de rester Shabbat Bereshit ici. Bien. Alors maintenant, je vais demander à Rabbi Yosef Matizov, qui est Rabbi Yosef Matizov à ce moment-là. Il s'est occupé des Français et de nous raconter un peu le Mahoua Klaïm, si on peut dire, de ce voyage.
Je ne sais pas pourquoi je suis à cette tribune, mais c'est l'initiateur, c'est Rémi Azimov. Mais ça me fait aussi grand plaisir, puisque j'étais à Paris, d'être là et d'écouter tous mes amis. Et effectivement, c'est quelque chose de très important, surtout pour nous-mêmes. Vous voyez bien qu'il y a des choses qu'on a besoin de se rappeler, et pour, surtout pour, effectivement, tous ceux qui nous écoutent et qui comprennent un peu. C'est pas que pour écouter Nisparim Venasi, mais je reviendrai à la fin pour ça. Pourquoi je suis là? Parce que, effectivement, on peut un peu raconter un peu ce qui se passait, comme il a dit Shmuel Mahoré à Klein, derrière les coulisses. Bien sûr, il faut savoir que Moulin, à cette époque-là, comme tous les chevaux du monde, ne pouvaient pas voyager tous les ans. À la fin, les portes se sont ouvertes. Mais avant, tous les chevaux du monde devaient voyager uniquement une fois en deux ans. Donc il y avait une année où Moulin était là, il y avait une année où Moulin n'était pas là. Quand Moulin était là, je l'ai aidé, de Bahorim aussi, de la Yeshua, comme il a cité Yosef, mais sur toutes les années où il n'était pas là, il était tout le temps en correspondance avec moi, par téléphone, par des lettres, etc. Et également, je ne sais pas pourquoi et comment, et personne n'a jamais dit, mais la Maskirout aussi intervenait, surtout Binyam Klein. Graner aussi, j'y reviendrai. Alors Graner, mais Binyam Klein, lui, était vraiment constamment en contact, et déjà dans les préparations d'avant. Parce que pour arriver à voir ces bases, maintenant, mais Israël, etc., ce n'était pas quelque chose de facile, ni la cité Brunois. Pour moi, c'est encore, bien que c'était des conditions aussi particulières, bien particulières qu'il fallait apprécier, mais on passait des chapeaux ensemble et tout. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais après, bien sûr, c'était aussi ce voyage. Et ce voyage, pour moi, je me trouvais déjà à New York, surtout. Trafetette, c'était pas encore, c'était la première fois que moi-même j'ai voyagé depuis Khayelou, on laissait les parcours depuis Khayelou, et les années d'après Tafshinlam, etc., depuis, j'étais tous les ans, et voulait me demander de voir ça, et je me suis fait des beaucoup, c'était pas du tout, il n'y avait pas encore le Hachnas Atokim de c'était vraiment, et quand vous citez un verre de thé, c'est vrai que le Rebbe a demandé, et je vous dirai dans quelques minutes, mais une fois le Rebbe a parlé clairement dans un fabrique, je me rappelle, qu'un juif rentre ici, il n'y a pas à prendre un verre de thé, on a installé des machines gratuites, des machines payantes, mais et c'était quelque chose que le rabbin a crié, a dû un peu parler fort, c'est peut-être pas le terme crié, mais il a reproché ça. Et donc, effectivement, il y a eu, donc, depuis ces années, depuis le début d'elle, on voulait m'écriver, tant des gens vont voyager, il faut essayer de trouver pour eux un endroit, je vous dis, mais qui pas toujours les regrouper, c'est peut-être pas, ils peuvent être dispersés, il a recommandé ça aussi, mais effectivement, je me suis fait aider beaucoup par Binyam Klein. Lui, vraiment, il prêtait une attention particulière, il m'aidait à trouver ça, ça, etc. Bon, Martin Sors, c'est avec David Raskin et Rav Kastad, c'était plus facile, mais c'était très dur, il n'y avait pas des
il n'y avait pas forcément des lits, il fallait mettre des lits, trouver des lits, c'était encore tout un une année moulin, un vestiment, vous ne saviez peut-être pas, mais ils m'ont envoyé de l'argent pour qu'on puisse un peu investir. Je ne me rappelle pas quelle année c'était, mais en tout cas, donc, il y avait toute cette préparation, et effectivement, des fois, il fallait un bus pour arriver, etc. On arrangeait, j'essayais avec d'autres, parfumines, etc. On arrangeait ça. Mais ce que je peux vous dire, le Rabbi Naaman Klein, il avait tout le temps un intérêt particulier. Moi-même, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je peux comprendre. Et il devait dire au Rebbe, le Rebbe lui demandait, mais il venait me voir, il me disait, ils sont arrivés, comment c'est, est-ce que tout le monde a eu dormir? Il posait des questions. Comme ça, avec son sourire et mon côté un peu sournois, mais il ne m'a jamais dit, le Rebbe me demande ou quoi. Mais il voulait le savoir, il voulait tout savoir. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'on a trouvé des familles pour Shabbat? On a perdu le vendredi de poser des questions. Est-ce qu'on a trouvé? Je pense que des fois, il lui-même a pris quelques parcours chez lui à la maison. Il voulait vraiment, il était très intéressé à savoir. Et donc, j'ai compris, je le faisais avec beaucoup de. Sachant que c'est le Rabbi qui, apparemment, il transmet au Rabbi. Et vous avez parlé des Yichidoutes. Au lendemain du Yichidout, je recevais une engueulade de grande. C'était systématique. Ils sont rentrés, ils ont mis beaucoup de feuilles, ils ont parlé, mais tu leur as dit, donc je t'ai demandé. Tu leur as dit de ne pas. Il était vraiment. Je lui ai dit, mais le rebelle les retient, il rentre. Moi, je souhaitais toujours que le moment où les Français, parce que comme a dit Mitraïm, c'était souvent à la fin, puisque c'était des Bachorim, qu'ils ne soient plus là, parce qu'ils partaient un peu, ils revenaient, mais ils partaient, ils laissaient Binyamin Klein, ça sera Binyamin Klein, parce que c'était beaucoup plus que. C'était beaucoup plus facile, mais lui, il venait, il criait. Ce qui est intéressant, après qu'il criait, il voulait savoir qu'est-ce qu'il y a. Il y a des choses particulières là. Je pouvais rester avec lui au moment pour lui raconter. Il voulait dire, et c'est vrai. Et c'est vrai que c'était des doutes très, très intéressants. Dans tous les domaines, il vous parlait bien sûr de vous à cette époque-là en tant que Bachorim, mais il y avait d'autres qui arrivaient aussi de France. C'était pas encore des Bachorim pour vous, parce que je pense que ça aurait dû avoir. C'était une appréciation de la Bivoute particulière. Vraiment, des étudiants ou des collégiens, des lycéens plutôt, je veux dire, des vrais récidives, c'était pour le rêve quelque chose d'énorme. C'est pas parce que uniquement on vient de la France et que le rêve était en France, mais aussi parce que le rêve était en France que cette chose-là était réussie avec toutes les brachot d'investissement de Moulay Bass, et ça c'est évident. Mais c'est quelque chose de tout à fait particulier. Mais il y avait des gens qui venaient, qui n'étaient pas tellement fous. Il y avait une maman un peu vieille, deux sœurs qui sont venues, je ne citerai pas le nom, parce qu'un fils était avec un goy, une goya, et elle est rentrée chez le rebbe. Je lui ai dit, ne restez pas longtemps, écrivez, demandez une bracha. Mais c'était impossible de rester 20 minutes plus. Et là, grand-mère, il devenait fou, il est au milieu, il vient me chercher. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec elle? J'ai dit, écoute, faites ce que vous pouvez, moi je ne peux rien vous dire. Elle a un problème, et le rebelle lui parle.
Oui, mais Pierre, elle demande, et c'est vrai qu'elle a demandé une promesse au Rebbe. Elle a insisté, elle a demandé une promesse. Totalement, elle a dit, je veux une promesse. Et mon fils va quitter la Gaza. Bon, Hachem, il a quitté le Chassid. Minachora, il n'y a pas. Mais, d'accord, ben, c'était bien sûr pour les secrétaires. C'était pas quelque chose de très facile, mais c'est, je dirais. Et comme ça, il y a eu, alors moi, je m'appelais tout ça après par écrit, mais il a trouvé des lettres à moi maintenant. Là, il m'aime des lettres à moi de cette période que j'écrivais à Milan en détail avec du monde. Et c'était quelque chose qui était, en même temps, bien sûr, je voulais le faire très discrètement, mais aussi intéressant, mais c'est quelque chose qui était important pour la construction de tout le travail, de tout le travail du groupe. Et une fois, le Rebbe a dit le groupe, c'était dans le... Hein? La groupe. C'était un nom comme ça. Et on sait la Khavivut, effectivement, que le Rebbe est attaché à ça. Je vais vous raconter une petite anecdote qui n'a rien à voir avec ça. Une, je ne me rappelle pas si c'était Tov Lamed ou Lamed Aref. Peut-être doit se rappeler s'il était. Ce n'était pas toi qui as fait ce travail, mais un matin est arrivé un groupe de France, c'était déjà pendant Tishri, pas avant Rosh Hashanah, et il y avait des choses que nous les avons envoyées. J'ai envoyé une lettre par eux et par quelqu'un, il me l'a transmis. Dans ce paquet de lettres, il m'a envoyé la brochure, comment elle s'appelait, Création-Évolution, qui était en stencil à l'époque, mais pas encore. Et c'était très simplement en stencil, une brochure comme ça. Et il me demande à moi, qui la regarde, et si tu penses qu'il faut la faire entrer au rap, fais-la entrer. J'ai donné à lui. Il est rentré au Rebbe avec cette lettre, avec ça, et il ressort vraiment. C'était encore avant la tfila. Il ressort, je me rappelle, il m'a cherché en bas la foule. Il ressort, il me dit, regarde, je fais rentrer tout un paquet de lettres. Il y avait la tienne aussi, mais c'était une grande, c'était le format A4, un grand format. Et le Rebbe a tiré ça de tout. Et donc, il a sorti ça avec ta lettre et il a fait des. Comme ça, aller-retour. Il a tout de suite écrit, voilà, je vais te montrer ce qu'il a écrit. Alors, il y avait une flèche envers mon nom, puisque j'ai signé. C'est moi qui transmet. Et de mon nom, il y avait une flèche, l'IMSOR, à transmettre vers Moulay. Je l'ai pris, Moulay m'a envoyé ça. Et qu'est-ce qui était le texte? Alors c'est un peu dur, violent. Ténirait, il apparaît que celui qui a traduit n'a pas respecté
n'a pas respecté trois conditions que, dans la traduction du Rambam, dans la Gdama, la traduction du Rambam, il donne. Là, on n'a pas précisé, pas dit quoi. Il y avait trois conditions. Et donc, certainement que dans une rota prochaine, on va le rectifier, mais qu'on n'enlève pas de la diffusion. Comme ça, le rêve arrive plus clairement. Les trois conditions, c'est effectivement de connaître le sujet. Donc, comme tu dis, scientifique, connaître le sujet, connaître la langue de laquelle on traduit, je pense que c'était pratiquement l'anglais. Voilà. Et connaître la langue dans laquelle on traduit. C'est que même ça paraissait que. Vraiment, il me dit, il y a une fois, il a fait comme ça. D'accord. J'ai tout de suite, m'appelé, je lui ai dit, je voulais dire à vous aussi sur place, je ne me rappelle pas. Et après, vous avez su, on a su, c'était faux. Et donc, c'était comme ça, j'avais un petit rôle de transmetteur. Alors, je vais quand même dire que, effectivement, ce que je commençais par dire pour les parcours d'aujourd'hui, pour nous, bien sûr, c'est quelque chose qui a disparu maintenant. Notre génération, pour vous, les jeunes, c'est important de savoir qu'on voyage chez le Rebbe et il faut tout cela, c'est le but de ces panels, etc., pas seulement pour savoir qu'il y a eu une histoire, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On est là et on peut encore raconter et c'est pour transmettre en attendant qu'on puisse voir le Rebbe ici avec nous. Il faut se préparer à ça. Et pour se préparer à ça, quand on est chez le Rebbe, on a parlé du garde-maître pour la Yichidut. J'étais impressionné parce que quand j'étais au Hel, j'ai vu que discrètement des bachourim, des jeunes bachourim, mettent aussi un garde sous la veste pour rentrer au Hel. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut le savoir. On rentre chez le Rebbe, on est avec le Rebbe. Le Rebbe est avec nous, surtout. Je ne sais pas combien nous on est, mais. Le Rebbe est certainement avec nous. Claire. Alors, devait avoir avec nous Reb Shalom Cohen qui devait parler. Malheureusement, il ne se déplace pas de chez lui, mais voilà, il n'arrive pas à parler par téléphone, donc il s'excuse. Juste pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, le petit Vécouard, combien le Rebbe il a demandé aux Français de donner. Donc, dans la lettre, le Rebbe dit. Donc, ou bien 10% du billet, ou bien 18 dollars, ou bien 25 dollars. 25. Dans la lettre, c'est écrit 25. Peut-être que Rabbi, il a dit 20, mais dans la lettre, c'est écrit 25. Et 65 dollars. D'accord. Voilà. Après, juste pour finir, je vais mentionner deux personnes que malheureusement, ils ont. Qui était le monde, Reb Shalom Waki qui était dans ce voyage-là. Reb Shalom Waki, je l'avais interviewé à l'époque, qui m'avait raconté que ce que les autres ont dit, que le Yachas du Rebbe était très spécial, et que le Rebbe il avait beaucoup d'Agmat Nefesh, lui c'est ce qu'il avait retenu de ce premier voyage, le Rebbe il avait beaucoup d'Agmat Nefesh, on ne s'est pas bien occupé des Français comme il faut. Voilà. Après, deuxième personne, c'est Reb Asher Roth, qui a eu un accident de voiture plus tard, et qui est aussi dans ce voyage-là. D'autres personnes qui n'ont pas pu venir ce soir, qui étaient dans ce voyage. Il y a Reb Avram Darmon, qui devait venir, malheureusement, il n'a pas pu venir. Reb Yaakov Spitetsky, dans l'Est d'Israël, et il nous écoute actuellement. Reb Eric Attal, à Ronatal. Et mon père, voilà. Donc, merci à tous. Merci beaucoup aux intervenants d'être venus ici. Que Dieu fasse qu'on puisse être heureux de on le répète de retour et bravo à toi que c'est le Rebbe.
Lui, c'est mieux qu'il m'accompagne.